Bonjour et bienvenue sur les Gata TV. Bonjour les droïdes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en présence du Droïde Tech et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de Demon's Tear Plus qui est disponible sur Nintendo Switch. Alors je vous le dis le prix tout de suite, il est à 9,99€. Le jeu est sorti sur Nintendo Switch le 9/6/2020. Classe d'âge PEGI 7. On peut y jouer avec la manette et le Pro Controller, là il n'y a pas de problème. Au niveau des langues, allemand, anglais, français, espagnol, et la taille du jeu fait 102 MO. Un excellent jeu disponible sur PlayStation 4. Sur Xbox, sur PlayStation Vita depuis le 8 février 2019. Au niveau du jeu, Tosgar est un roi détesté attiré par les rituels démoniaques, se transforme en un être sombre et diabolique, détruisant presque toute l'humanité et submergeant le monde de ses monstres. Cette histoire devient une légende et la paix fut retrouvée dans ses contrées. Un millénaire plus tard, une crevasse mystérieuse apparaît dans un village suite à un tremblement de terre d'où émane une aura maléfique. Serez-vous le héros qui sauvera ce monde? Le jeu est du genre action, jeu de tir fantastique et médiéval. On va tout de suite commencer ensemble. Donc là, pareil, c'est un let's play sans commentaire. Je vous laisse découvrir le jeu. C'est parti pour 10, 15, 20 minutes de let's play ensemble. Voilà, je vous dis à la prochaine sur les Gata TV. Salut! Thank you.
Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.